Non, c'est ouais, les producteurs, parce que c'est au départ c'est une coproduction anglaise de Liverpool, Hurricane Film, qui produit les films de Terence Davis, et qui cherchait un coproducteur en France, et qui a demandé à Rita Daguerre, qui a une boîte qui s'appelle Señorita. Moi je connaissais Rita, et un jour elle est venue, j'habite New York, elle est venue à New York, elle m'a dit on m'a parlé d'un projet, est-ce que ça t'intéresserait, c'est un boxeur, c'est son histoire vraie, en Thaïlande, ah, c'est un addict à la drogue, ouais, je n'arrête là tout de suite, je me dis ça me va. Il y a eu une première version d'un scénario, qui n'était pas très bien, mais on sentait qu'il y avait une histoire intéressante, et le fait que ça soit aussi sur une histoire vraie, je me disais, bon, mais il y a sûrement quelque chose aussi à aller voir, c'est-à-dire que c'est pas un scénario, le film de genre, juste, je me dis, il y a sûrement, à aller chercher, donc j'ai lu le livre, qui est plus un journal de bord un peu sur sa vie et que Billy a écrit quand il est sorti de prison. Il a écrit tout seul ou c'est écrit ouais. Non, tout seul. Ouais. Et qui est assez émouvant, on sent que c'est sincère, ouais. Ça raconte son histoire, il parle vraiment avec ses tripes. Et je trouvais que le personnage était intéressant, parce qu'on sortait du personnage de film de genre, c'est-à-dire qu'il y a un peu le film de boxe, prison, personnage basique. Et Billy, il avait je trouve qu'il est paradoxal dans le sens qu'il a une violence intérieure qui est liée à son enfance, qui a été difficile avec son père qui le battait et le refuge qu'il a eu dans la drogue. Mais en même temps, il a une vraie sensibilité, c'est encore resté un gamin, il a une vraie innocence et c'est ce paradoxe comme ça que je trouve intéressant et qui en faisait aussi pour le cinéma un beau personnage, de savoir comment d'un coup ce personnage allait se retrouver en Thaïlande dans cette prison, se confronter à ses propres démons. Ouais, mais j'aime bien ça, j'aime bien les challenges et puis à la fois partir à m'immerger un peu dans une situation. Quoi. La Thaïlande, bon après c'est un pays qui n'est pas en guerre, donc c'était plus simple que le Liberia ou la Colombie où j'avais tourné, où j'avais un autre projet en Irak et tout, donc du coup ça me paraissait plus des vacances. Quand ils m'ont proposé le projet, je travaillais dans une prison avec des jeunes de gang au Guatemala, donc d'un coup je me dis, bon la Thaïlande ça va être repos quoi. Mais ouais, ça fut le cas. Ce qui était compliqué, c'est de se dire comment on passe le masque. Les Thaïlandais sont quand même très réservés, très polis. Ne laisse pas entrer tellement à l'intérieur à les étrangers. C'est un des rares pays qui a jamais été colonisé, que personne n'a pu envahir. C'est-à-dire qu'ils protègent, ils se protègent et à la fois ils ont cette espèce de linge. Je me suis dit pour faire un film, il faut que j'arrive à passer ça aussi parce qu'il faut raconter aussi l'histoire de Thaïlandais. Et pas seulement à travers le langage, mais rentrer dans cette culture. Donc j'ai passé un an et demi quoi, sur place à faire mes recherches, à faire le casting qui a été long parce que l'idée c'était d'avoir que des non-professionnels. Donc je les ai castés quasiment un par un, il fallait les trouver, et c'était vraiment de fil en aiguille, à part les prisonniers qui amenaient des anciens prisonniers amis à eux, et puis après je les voyais, je les interviewais, j'ai réécrit mon script. On a tourné dans deux prisons, une prison en Thaïlande qui venait d'être vidée, et tous les prisonniers venaient d'être transférés dans une prison plus moderne, donc c'est devenu un lieu vide où j'ai dû ramener des anciens prisonniers pour le film, pour le besoin du film, et puis le combat final de Joe quand il va dans une autre prison, a été tourné aux Philippines dans une prison active, là par contre, avec les prisonniers qui étaient servis figurants. Je l'ai trouvé parce qu'on a le même agent au départ, qui m'a parlé de lui. C'était plus difficile au début parce que financer un film sur son nom, c'était pas possible. Donc j'ai eu d'autres acteurs plus connus. Et puis, de fil en aiguille, il se trouve qu'on a réussi à le faire avec lui. Quasiment. Mais Jean-Claude Van Damme était le cornerman, là, comment on appelle ça, le type qui est au coin dans les combats de boxe. Il a servi de ça au comédien, enfin au boxeur qui joue l'entraîneur dans le film avec sa cigarette, qui est connu en Thaïlande, qui a été médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'étant jeune comme ça, il a eu cette capacité à vraiment y aller, ne pas avoir peur et se donner à fond dans le rôle. Ce qui était important parce que c'est physique pour lui, quoi. Ça a été vraiment tous les jours ou des combats. Mais pas tellement parce que cinéma, j'ai du mal à retrouver des films qui pourraient correspondre. Parfois, quand on doit financer le film, on dit ah oui, mais ça doit représenter quel film ça ressemble ou quelle est la référence de film. Et j'arrive pas vraiment à trouver un cinéma qui mélange le côté comme ça documentaire et la fiction. Et l'immersion, c'est assez difficile à expliquer. Et c'est vrai que quelqu'un avait dit Herzog. Je dis oui, Herzog, il y a ce côté que j'aime vraiment bien. Il y
y en a sûrement d'autres, mais c'est pas évident. Ouais, mais Raging Bull, c'est très stylisé, c'est des films géniaux, mais c'est Scorsese et tout, c'est encore un autre style. C'est une espèce de boxeur qui prétend avoir trouvé la vérité au bout de... Ouais, après, Raging Bull, je voulais pas approcher ça, parce que c'est compliqué de faire un film de boxe. Et quand, après Raging Bull, sinon on arrête le cinéma tout de suite, quoi, mais c'est compliqué, quoi. Donc, c'était un challenge aussi pour moi, de dire faire un film de boxe, film de prison, comment arriver à trouver sa place après de tels films, quoi. Ils ont été, il y a eu deux phases, quoi. Moi je les ai établi un rapport de confiance avec eux pour que justement après ils se livrent et qu'ils passent le côté très poli et justement ce qu'ils ont tendance à être, même d'aller dans la violence, que les Thaïs ont du mal aussi, aller dans une violence physique, surtout devant un étranger on va dire. Donc, parfois on a fait des exercices avec une coach qui est venue qui s'appelle Karine Nuris, on a fait le même travail avec les enfants soldats, c'est-à-dire un travail d'art thérapie. Mais par exemple, de les faire vraiment crier, sortir d'eux-mêmes, dans des exercices vraiment d'acteurs. Et ensuite, j'ai répété avec eux les scènes, c'est-à-dire que je leur disais les scènes, je leur disais comment ça se passe dans la réalité, et eux me montraient, quoi. Et une fois qu'ils ont cassé un peu aussi la barrière, comme ça, la timidité, ils avaient, par rapport à des acteurs, une faculté incroyable de l'imaginaire. C'est-à-dire comme si d'avoir passé 10-15 ans, pour la plupart du cas, c'était le cas de la plupart des acteurs du film, parce que c'est des peines longues en Thaïlande. J'ai vraiment le sentiment que le fait d'avoir passé ces 10-15 ans a développé beaucoup plus l'imaginaire. Et du coup, quand on partait dans une scène, ils étaient dedans, mais à la fois ils revivaient ce qu'ils connaissaient, mais en même temps ils le jouaient comme ça, sans plus le jouer. On était dans une réalité, et presque une réalité documentaire. Donc moi, j'avais plus qu'à dire, voilà, après la mise en scène, je la fais à partir de cette réalité-là que vous me montrez. Il a vu le film, au départ il a vu les rushs, certains rushs et tout du tournage. On l'a retrouvé, il était en pleurs à regarder les rushs, quoi. On sentait que ça le touchait, lui, à un niveau personnel, émotionnel. Ensuite il est venu à Cannes, quand on a fait la première du film, devant 3000 personnes. Donc là c'est assez impressionnant, parce que d'un coup c'est sa vie aussi qu'il a vue, et l'interprétation de son, tout son parcours en Thaïlande, qu'il voit d'un coup ce grand écran devant plein de gens et tout. Donc il a été aussi ému, qu'il est revenu le voir à Londres quand il est passé au Festival de Londres, avec du coup aussi plus de distance que quand il était à Cannes. D'un coup il était plongé dans tout l'amour aussi et tout la folie de Cannes, quoi. Non, il est content, je crois que ça l'a à la fois bouleversé, à la fois parce que c'est un film plus sensoriel, on va dire, et donc il s'est retrouvé là-dedans aussi, plus que dans la narration.